Bonjour et bienvenue sur Factory Simulator, un truc comme ça le titre. C'est un jeu qui coûte 2 €. Alors dans la nuit, c'est la suite directe de l'épisode précédent. Dans la nuit, on vient me signaler qu'on vient de me voler 330 €, enfin dollars. Donc parce qu'il y a des voleurs en fait dans le jeu. Donc je me suis fait dépouiller de 330 quand on pense qu'on veut gagner des sous et qu'il y a des gens qui nous volent. Donc du coup, il va falloir que je fasse quelque chose. Là, ce que je vais faire, je peux peut-être gérer mon usine de là. Je vais regarder si je peux. Ouais, je me suis fait voler. Donc, il a dit embaucher un garde. Alors, du coup, je vais peut-être embaucher un garde, je vais voir. Alors, on va voir les matières premières que l'on peut acheter. Je sais que la dernière fois, j'ai acheté du bois à pas cher. Et alors là, on peut... Attends, fermé. On peut, matières premières, on peut acheter du métal. Alors, le prix normal, c'est 1000. Et là, on est à 550. Donc, je vais pas me gêner. Voilà. Là. Okay, erreur, passe... Ah, d'espace disponible. Eh oui, parce que oui, il faut que je vous dise qu'il y a le stockage... Il faut agrandir le stockage, donc 10 000, j'ai agrandi le stockage. Il me reste plus d'argent, je suis un fou. J'ai agrandi le stockage, voilà, il me reste que 23. Donc du coup, je vais revendre le bois que j'avais acheté. Ah mince, il est encore pas cher, donc non. Tiens, le metal plate, voilà, je vais vendre le metal plate que j'avais fait. Donc je vais en vendre 4 pour me faire de l'argent. 4. Voilà, ce qui me fait un peu de sous. Ensuite, Metal Pipe, non, ok, j'ai pas grand chose. Hein. Non, je vais pas faire ça, il va falloir que j'attende encore un peu. Prix normal, ok. Ah, 10, les vis. Oh, purée. Alors, attends, je vérifie bien qu'on soit bien dans la vente. Vendez vos produits. Donc, je vous rappelle que j'avais fait une machine à plaque de métal. Une autre, c'est une machine de tige, et une autre, je crois, c'était une machine de vis, et une fabrication de vis, en fait. Donc, j'ai, du coup, les vis, elles sont... Alors, les vis, je les ai pas achetées, je les ai fabriquées. Et on voit ici que... Où est-ce qu'elles sont... screw, voilà. On voit que les vis, j'en ai 10... Le prix normal est 290 et ça se revend à 241. Donc là, je vais vendre des 10. Ce qui va me faire... Hop. Je vais toucher les 2000, là. Facile. 3100, voilà. Bien joué, hein. Ah, bien joué. Bravo. Voilà, donc j'ai 3000. Du coup, c'est cool. Du coup, je vais pouvoir acheter du métal puisque j'ai la place maintenant. Fermé, matière première, donc comme elle est pas chère et comme moi je vis sur le métal, une machine à métal, donc du coup je vais prendre, qu'est-ce qu'il y a, encore le stockage, c'est pas possible, vendez-vous, ah j'ai du bois, et le bois, non je peux pas l'acheter, je peux pas le, ah purée, ah oui j'ai du bois qui me gêne, j'ai stocké du bois, j'ai un prêt bancaire aussi actuellement, hein, voilà. Du coup le stockage, j'ai 30 bois bruts que j'ai acheté à 450, au lieu de 900, les vis, le mec il est en train déjà de m'en faire. Alors j'ai pas une machine à. Attends, j'ai une machine à plaque normalement. Il va me faire des plaques le mec. Plaque renforcée, non, j'ai des vis. J'ai. Parce qu'après, pour faire des tables, il faut des tiges, des vis et des trucs comme ça, et des plaques. Donc du coup, ça, j'ai pas ça. J'ai du métal brut. Ah voilà, plaque de métal, j'en ai deux. Le mec, il m'a fait des plaques de métal. Et là, tu me fais des vis. Voilà, direct. Donc, les plaques de métal, je vais les vendre. Est-ce que je peux vendre vos produits? Les plaques de métal, combien elles sont? Non, je vais pas les vendre. Attends, métal plaque. Ah, métal plate, oui. 183, oui, j'en vends deux. Tu sais, il m'en fait 3 déjà, là. Tu vois, 3. Donc, du coup, je fais faire 3. Je vais les vendre les 3. Les vents, voilà, retour. Il va encore m'en faire parce que j'ai acheté du métal. Tu vois, j'ai 32 métal, donc tranquille. Et le mec qui me fait des vis, il fait des vis à partir de quoi? Bah, à partir de. Ouais, d'accord. Je pense qu'il prend sur le mec qui fait du métal en fait.
Ou le métal brut directement. C'est bien ça, c'est cool. Et je peux en vendre déjà 2 à 241, donc je vais les vendre. Je vais en vendre 2. Voilà, 3000. Il va m'en refaire encore. Voilà, bon, ils bossent, hein. Je suis pas à l'usine, mais ils travaillent là. Ah oui, il faut que j'embauche un garde aussi. J'irai à l'usine. Il y a un... embaucher un garde. Ah, quotidien 50. Louer 25 000, mais c'est au quotidien, il va me prendre 50. Attends. Ah non, c'est carrément 25 000, mais j'ai pas assez. Il rigole ou quoi? Il rigole. Ah non, je peux pas, je peux pas. Ouais, je peux pas. Tant pis. Ah, je pensais que. Putain, je pensais qu'on pouvait l'embaucher comme ça, d'accord. Bah tant pis. Revendez les produits. Donc, pareil encore, j'en vends un. Les vis, il m'en a fait une aussi, j'en vends. Attends, les vis, je me gaffe dessus, quoi. Les vis. Une. J'ai 4000 balles, c'est bien, c'est cool. Ça veut dire que le stock, je peux encore l'agrandir ou pas? Comment ça se passe pour le stock? J'irai à l'usine. Ah oui, je remets 10 000 et je refais encore une unité. Ou je sais pas. D'accord. Ok. Du coup, stockage, là on voit le stockage que j'ai. Donc j'ai 30 boissons, on l'avait vu. J'attends le bon moment pour les vendre. Soit sous forme de bois brut. Soit plus tard, si j'achète une machine, je fais des planches de bois. Là, je peux pas le vendre, ça sert à rien. Mais si, je vais me faire des sous, hein. Si je revends du bois et qu'il passe à 200 balles, je vais me faire du blé, hein. Le jeu n'est pas compliqué, hein. C'est voilà, c'est plutôt simple, c'est cool. Tiens, les vis, 240. Tout ce qui est vert, ça veut dire que c'est pas que j'ai, ça veut dire que je suis gagnant. Enfin, c'est jaune là, je fais pas. Regarder comme ça, mais après je regarde les prix. Si c'est pour gagner 10, ça sert à rien, tu vois. Tu peux être en positif, et si c'est pour gagner 10, ça sert à rien. Là, je gagne dans les 50 avec une vis, quoi. C'est cool. Et les plaques de et Metal Plate, alors elles sont où là? Metal Road, c'est quoi? Ah, c'est des. J'en ai pas, mais ok. Metal Plate 150, 183, pareil, j'en vends une. Donc logiquement, je peux m'acheter peut-être la matière première encore, parce que là, elle est pas chère, et vu que j'ai construit, peut-être que j'ai la place. Ouais, tu vois. Et oui. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai évacué, j'ai utilisé la matière première, donc du coup, bah là, c'est cool, hein. Toute la journée, je vais faire ça. Alors la vidéo va durer peut-être une demi-heure, hein, donc il n'y a pas de... vendre des produits. Tiens, il m'a fait une vis. On va attendre un peu, on va les vendre en même temps. On va aller vendre. Attendre un peu qu'il fasse. Metal... Ah, il fait du Metal Rod et il est plus. Comment ça se fait? J'ai vu un là. Marrant ça. Metal Plate 83. Ouais, j'ai vu un ici. Donc normalement, ils vont en faire plein parce que à moins que quelle heure il est dans le jeu. Il est dans le jeu. Quelle heure il est dans le jeu? Il est 11 h. Non, c'est bon.
Dommage que l'horloge marche pas là, ça aurait été cool. Tiens, deux metal plates. Allez, on va les vendre. Faut les vendre avant la fin de la journée quand même, hein, parce qu'il n'y a qu'à faire. Screw. C'est cool, hein? Bon, après, c'est petit à petit, mais là, j'ai gagné. J'ai gagné des trucs. Et encore, j'ai utilisé 10 000 pour augmenter le stock. Qu'est-ce que c'est qui se vend bien, les béton? Ah oui, une chaise. Je crois qu'au début, je vendrais que des matières premières. J'ai pas la palette. Ouais, tu vois, palette, ça vaudrait pas le coup, tu vois. Le prix normal est 250, tu les vends à 258, ça rime à rien, il faut pas les vendre. Là, pareil, voilà, c'est sûr. 182, ouais. Là, non, à mon avis, moi, je vendrais pas là. Là, non, là, je vends pas du tout les chaises. Le baril en métal. Regarde, tu gagnes 1 $. C'est ridicule. Là oui. On va le faire. Ces deux-là, alors ça je le vendrai pas, c'est ma source principale de trucs. Et comme j'ai pas l'argent pour m'acheter une machine et que ça vaut dans les 20 000 et quelques, la machine, sinon je pourrais m'acheter une machine à bois, hein, je ferai des planches. Mais là non, je vais. Si je peux pas les vendre, je les vends pas. Si je peux les vendre, je les vendrai. Voilà. Ça me permettra d'acheter du métal. Mais là, je vais encore m'acheter la matière première, hein, si je peux. 450, j'achète. 550, j'achète quoi. J'achète. Parce que c'est intéressant. Au lieu de 1000, putain, les affaires que je fais, là, putain, je peux encore en prendre ou pas? Non, tu vois, j'ai pas assez. Ouais, je joue avec le stock là, en fait. Ça, non, c'est pas intéressant. Tu vois, 852, 1100. Bon. Je sais pas. Ça fait 60. Ouais, 6, ouais, 6. Ouais, 6. Ouais, non, 6, c'est intéressant. Si, si. Ouais, mais si j'achète ça, ça coûte cher, hein, 852. Ah, j'ai un stock pour. D'accord, j'ai acheté. Ok, bon, c'est juste la. Ça, c'est de la spéculation, hein, c'est pas du tout. Allez, voilà. J'achète du plastique que je revendrai après. On est bon. En fait, il y a des stocks limités par matière, pas entièrement. J'ai compris. Fermé. Vendre des produits. Finalement, je gère mes trucs d'ici, c'est pas plus mal. Alors, le jeu vaut 2 euros, hein, je vous le dis, hein, 2 euros et quelques. Il est même pas en promotion, c'est son prix. Donc même si voilà, c'est vrai que c'est pas non plus en texture ou quoi, mais c'est intéressant. C'est intéressant dans le fait de mettre ces machines ce qu'on veut, si on veut faire du métal, du bois ou du plastique, d'aller les placer dans l'usine, c'est plutôt sympa. Hein. Moi j'aime bien. Après, personnellement, j'aurais rajouté une machine à boisson ou quoi qu'on puisse mettre dans l'usine. Voilà. Et qu'il y ait des gens qui viennent prendre à boire, des clients ou quoi, et ils prennent, et à chaque fois ça me fait un peu de sous quoi. Ça j'aurais apprécié.
Ok. Ah oui, bah oui, j'ai acheté du plastique brut, ouais. Bois, métal, plastique, ok. Attends, quelle heure il est? 14 h, il me reste 2 heures. De jeu, 2 heures dans le jeu, parce qu'après à 16 h il ferme l'usine. Vendez. Eh bien, je me retrouve comme ce qui me restait à peu près là, si je continue encore. Presque. Sauf que j'ai acheté des trucs, des ressources moins chères, et j'ai acheté un stockage supérieur. C'est cool. C'est cool. Bon, à cela, vous ajoutez les 150 pour les salariés, 50 euros, 50 dollars pour l'électricité, ou 50 ou 30, je sais plus quoi. Voilà quoi, vous rajoutez aussi des trucs, faut que j'aille manger aussi. Manger, ça va ou quoi? Voilà. Nourriture, ouais, ça va. Alors, il est quelle heure? 14 h? Ah, bah, je suis chez moi déjà, c'est vrai, putain. Je me croyais à l'usine. Eh oui, c'est vrai que je suis cadre. On va commander une pizza. Tiens, putain, ça aurait été cool. Un truc là, on aurait commandé, on aurait appuyé, commander une pizza. Le mec, il vient te livrer. Mais bon, dommage, il a pas. Apparemment, il semble pas que le jeu est. Comment dire, soit encore en développement, je sais pas, à moins qu'il rajoute un truc, mais j'ai pas vu, enfin, j'ai pas l'impression. 14, c'est bon, on a le temps. Alors, Screw, on va vendre un. Bon, les prix changent d'une journée à l'autre, c'est pas genre pendant une demi-heure il y a ça, et puis après 20 minutes, quoi, après ça change. Voilà, c'est dès qu'on va se coucher en fait. Faut saisir l'opportunité, c'est tout. Alors attends, sur quel truc je me fais le plus de sous? Ouais, mais là je pourrais plus prendre aussi du métal. Bah oui, non, je reprends du métal en fait. Parce que le stock de bois, Ah mince. Acheter des produits, c'est ouf. Stock de bois, j'ai déjà, je suis blindé. Plastique, je crois que c'est le plastique que je me gagne. Mais là, si je fais ça, ah non, c'est bon, il a pris. Ok, et donc je vais prendre ça aussi. Voilà, à chaque fois, je me gagne des sous. À chaque fois que je fais ça. Voilà, là, je crois qu'on est stocké maximum, là aussi. Et je crois, hein, je suis pas sûr. Fermé. Prendre les produits. Metal plate. Je fais ma fortune sur une vis, je vais sur les vis et sur les plaques de métal. Quelle heure il est? 15 h, plus qu'une heure. Tu vois, 150, 50 et 40 en plus pour le stockage. Je peux pas embaucher un service de sécurité, j'ai pas assez. Faut vraiment que je gagne beaucoup là. Parce que là, et là, le mec, un voleur va passer et va me voler. Ah, j'ai peut-être pas fermé mon bureau aussi. Eh oui. Je crois que c'est ça. J'ai pas fermé mon bureau. Attends. Eh oui, mais c'est. Eh oui. Bah déjà, je pars, je ferme pas. Donc, il y a peut-être un souci là aussi. Attends, je vais à l'usine. J'ai un doute. C'est quoi déjà là pour avancer? Ouais, on s'en fout. Allez, vite. On passe par là. Je tournerai après. Et oui, j'ai pas fermé la porte. C'est peut-être ça, j'ai pas fermé la porte du bureau. Donc, qu'est-ce qu'il fait le voleur? Il rentre et il est chez lui, hein. Je vais fermer. Je vais quand même fermer.
330 la nuit, là, il m'a volé 330 dollars. Ça fait beaucoup. Parce que 2000 balles. Oh putain, c'est rien, c'est le directeur qui rentre. Mais je peux pas fermer l'usine par contre. Non, ça c'est dommage. J'aurais apprécié fermer puisqu'il y a des voleurs. Ça va être un peu plus fort pour moi parce que j'ai du mal à. Est-ce que je peux fermer? Non, tu vois. Bon, par contre, j'ai un doute. Ah non, j'ai fermé. Putain, c'était fermé. Alors, je comprends pas. Attends, et là, je peux fermer là? Non. Il travaille toujours là ou quoi? Oh, il est. Mais c'est quoi ce délire? Ah non, putain, ah, j'ai cru. Mais oui, il me manque un truc là. Ah non, je lui ai dit au revoir à lui, putain, ouais, malheur, je croyais qu'il était parti avec le... Non, pardon, pardon, autant pour moi. J'ai enlevé, c'était un établi de fabrication. En fait, là, je gère que les matières, à part les machines à vis qui est là. Qui est là. Ça va, les gars, c'est cool. Est-ce que je gère quelque chose ici ou pas? Machine de plaque de métal. Exigence. Statut de travail. Ah, il te met, tu peux cliquer, il te dit ce qu'il peut faire. C'est sous Linux, ça. Allez, go. On va. Ils vont arrêter là, je crois que c'est la journée est finie. Ouais. 16h, ouais, ça. Je vais finir. Voilà, tu vois. Ok, on va vendre vite, vite hein, les derniers trucs. J'en vends 3. Je vends des vis, il doit en avoir 3 aussi. Je vais pas monter la garde parce que je peux pas. Mais je sais que je vais me faire voler. Et alors, et je ne peux pas fermer cette porte. Ça, c'est. Tu vois? Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et le stock là-bas, pareil, je peux pas le fermer, c'est tout le temps ouvert. Donc après, tu veux que je fasse. Ouais, je sais. Il me dit que là, c'est fermé, non? Déplacer l'unité, oui, mais ça, je sais. Normalement, c'est bon, la nourriture, j'ai. L'essence, c'est bon. Oh putain. Là à droite et tout droit, on va faire juste ça. Je vais faire le lendemain là, et c'est tout. Je vais gérer de chez moi, et après, je stoppe la vidéo. Ça fera une petite vidéo, bah, juste ça fera la petite deuxième vidéo pour ce jeu. Ça sera très bien. Je m'arrête pas pour manger, je m'en fous. Attends, ma maison est là, je crois. Non, oui, c'est ça. Elle est là ou pas? Oh putain, je suis en train de me planter là encore. C'est pas chez moi là, il y a un truc. Putain, c'est là. Je passe devant et. Bon, je laisse comme ça. J'espère que j'aurai pas de PV. Oui, je sais. Tu me dis que vous avez un PV, je rigole. Je te jure. Vous êtes fait voler votre. Non, votre voiture est à la fourrière. Putain, s'ils font ça, c'est trop marrant. Ouais, on verra bien, on verra bien. Bon, on va dormir, parce qu'ils veulent qu'on dorme. On va dormir. En même temps, ça sauvegarde, voilà. Ok, sommeil, ok. J'aimerais bien avoir un truc comme ça, c'était cool. Ok, là, il va me dire que je me suis fait voler. Pas. Donc là, c'est... je vais aller direct dans vendez vos produits. Alors le bois, voilà, je l'ai pris normal, prix 87, donc je gagne. Moi, je l'ai acheté moins cher que ça. Je l'ai acheté 40 et quelques. Et donc du coup, je gagne 47 sur chaque truc. 110, 95, non. Mais le bois, je peux vendre un peu. Ça me fera des sous. Mais 87, c'est pas assez. C'est pas assez. Même si je l'ai payé moins cher que 80, oui, en marche, je l'ai payé moins cher, mais c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais.
Ah, les vis. Ah, tiens, il m'en restait une. Prix normal. Oui. Attends. Je suis en vente là, ouais. Screw. Hein, montant à vendre, ouais. Ah, ils me font toujours des. Ils travaillent toujours encore? Ah, oui, c'est ça, putain. Ah, tu vois, 150. Voilà, là, il faut pas. Donc là, il va me faire du stock de ça. Je peux pas les vendre là pour l'instant. On va aller à matière première. Matière première, là. Alors. Ah, je peux quand même acheter. Bon, elles sont plus à 500 maintenant, tu vois. Le bois, 872, c'est moins intéressant. Et le plastique, à 953, il était à 800 et quelques avant. Donc, il n'y a rien à acheter, là. On va rien faire de spécial. Juste vendre... Attends, non, je peux pas. Les clous. Il y a juste que les clous, je peux vendre. 217, ouais. Je suis encore gagnant. Mais je gagne moins déjà. Mais voilà. Il n'y a que ça. Bon, voilà. Je pense que je vais arrêter là. Hop. Merci. Je vais rester comme ça pour l'instant. Je peux agir d'ici. Donc, c'est pas la peine. Et je vais vous dire merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, là, je sais même pas quel nom je vais lui donner. Mais en tout cas, à bientôt. Et puis, je verrai si je fais une troisième vidéo plus tard ou pas. Là, pour l'instant, j'ai d'autres jeux, donc je vais pas tout faire. Voilà. Donc, c'est un jeu qui, je rappelle, est à 2 euros et quelques. Donc, ça, je gagne rien. Je l'ai acheté, comme tout le monde. Et voilà, simplement, je trouve que c'est cool. Voilà. Allez, salut.